table ronde organisée aujourd'hui par la Banque du Maroc et Coalma. J'ai eu l'occasion et l'honneur de partager avec les participants la stratégie de la LIDEC pour lutter contre la rareté de la ressource en eau et plus spécialement dans le périmètre de la gestion déléguée qui est le périmètre du Grand Casablanca. Nous avons travaillé sur un plan d'action précis avec des actions qui sont orientées investissement, des actions qui sont orientées exploitation et il y a d'autres actions aussi de sensibilisation de la population pour la rationalisation de la consommation en eau. Par rapport aux investissements, nous avons un programme ambitieux en termes d'investissement qui nous permet de renforcer notre capacité de stockage, mais aussi de renforcer la structure des réseaux de telle sorte à mieux sécuriser les réseaux de Casablanca. Donc tous les ans, nous avons une vingtaine de kilomètres qui sont réalisés, plus une vingtaine de kilomètres de renforcement de réseaux, en plus des lignées réalisées dans le cadre du renouvellement des réseaux, mais nous avons une vingtaine de kilomètres de restructuration et de renforcement des réseaux qu'on arrive à réaliser, et aussi de renforcement de nos capacités de stockage. Si je prends par exemple l'exemple de l'année en cours, nous avons programmé deux réservoirs d'eau potable, un d'une capacité de 30 000 m3 jour et l'autre au niveau de Mjate ou la Talb, et un deuxième réservoir au niveau de Darbouaza de l'ordre d'une capacité de 20 000 m3 jour. Ceci va nous permettre de ramener notre capacité de stockage à 30 heures, ce qui nous donne une agilité dans la gestion et l'exploitation des réseaux d'eau potable et de mieux sécuriser le système d'alimentation contre des ruptures de service qui peuvent être dues à des casses de réseau, mais aussi à de rupture de la ressource elle-même. Nous avons aussi un plan d'action axé sur l'exploitation et des réseaux, mais surtout sur une gestion, donc un système de pilotage d'experts intelligents qui s'appelle AquaAdvance, qui nous permet aujourd'hui de piloter les réseaux d'eau potable. Ce système-là, aujourd'hui, on travaille sur plusieurs axes. Un axe réduction et gestion de la pression au niveau de réseau, ce qui nous permet de diminuer les débits de fuite au niveau de réseau, mais aussi de protéger les réseaux. Nous avons un axe élargissement des capteurs de recherche de fuite. Et cette année-là, nous avons démarré l'année à 3000 capteurs sonores installés sur le réseau qui vont atteindre 4000 à la fin de l'année. Nous travaillons également sur la sectorisation de réseau pour une meilleure maîtrise de la distribution, mais aussi une meilleure maîtrise de la recherche des fuites au niveau de réseau. Nous avons aussi lancé un plan d'action depuis plus de 6 mois de massif de communication, de sensibilisation auprès des citoyens pour les sensibiliser à la rationalisation de la consommation en eau. Et nous travaillons aussi sur les pistes non conventionnelles telles que la réutilisation des eaux usées. Nous avons déjà à notre disposition une station d'épuration de 4000 m3 jour qui est destinée à l'arrosage. Nous avons livré cette année un projet qu'on a réalisé pour le compte de la ville de Casablanca, une station d'épuration de réutilisation des eaux usées, des abattoirs d'une capacité de 1200 m3, une autre station au niveau de Nouassar de 2000 m3 jour. Et nous comptons lancer cette année-là deux stations d'épuration qui vont être axées et orientées vers la réutilisation des eaux usées, dédoublement de Mdiouna d'une capacité supplémentaire de 4000 m3 jour et upgrade de la station existante de Nouassar qui va nous donner une capacité de 5000 m3 jour. Nous travaillons aussi sur des projets pilotes de réutilisation des eaux pluviales dans le cadre de projets d'aménageurs et de promoteurs immobiliers. Et nous avons aussi renforcé notre plan d'action et notre stratégie développement durable à travers une douzaine d'objectifs qui sont orientés vers des projets concrets, pilotes à réaliser sur le terrain. Juste pour résumer l'année 2022, nous avons, à travers toutes les actions menées, nous avons pu économiser 10 millions de mètres cubes, ce qui représente la consommation d'une petite
ville, sachant que la ville de Casablanca, en fait, ça représente 5% de la consommation du Grand Casablanca, sachant qu'on est sur une consommation annuelle de 200 millions de mètres cubes. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.